Donc toi, ça veut dire que pendant tout le tournage, il s'est rien passé avec Adrien? Non, il s'est rien passé. On n'a même pas dormi ensemble, rien. Bon, il y a eu des bisous quand même. Oui, il y a eu des bisous, ça je le cache pas. Bon, est-ce qu'il embrasse bien? Est-ce que ses bisous sont aussi agréables que sa plastique à regarder? Franchement, oui. C'est vrai? Oui. Si tu devais lui mettre une petite note entre 0 et 10, tu lui mettrais quoi? Je lui mettrais 10. Oh, 10 sur 10? Ouais, ben... oui. Ah, donc ça veut dire qu'il y a rien qui t'a... Il y a tout qui t'a plu, quoi. Ben ouais, ça a été un peu comme un petit coup de foudre, Adrien. Je vais pas me le cacher. Ouais, t'as même dit que tu ne savais pas qu'en entrant sur ce tournage, tu allais pouvoir éprouver des sentiments pour un garçon. Bah ouais, parce que... Enfin, je me souviens, la nana, quand je regardais la télé, je me disais, mais comment elle fait cette fille-là à pleurer au bout de 3 jours pour un garçon, nanana. Et en fait, en le vivant toi-même, tu te rends compte que si le feeling il est là, l'alchimie elle est là, en fait tu peux pas le nier, c'est que t'as eu un coup de cœur. Et ça, ça m'est tombé dessus et je m'y attendais vraiment pas. Mais t'es tombée amoureuse d'Adrien? Bah j'ai eu un coup de foudre, voilà. C'est après amoureuse, enfin je vais pas le dire au bout de 3 jours, mais c'est comme si c'était les mêmes feelings, enfin les mêmes émotions, les mêmes. Les mêmes sensations. Pourquoi amoureuse, c'est un petit peu trop fort pour toi? Bah, le mot, oui. Après, au final, les sensations sont les mêmes. Donc, ouais, enfin, j'ai eu un coup de foudre, en fait. J'aime pas dire le mot amoureuse. Ouais, je sais. Mais quand on pleure pour un garçon, est-ce que c'est pas parce qu'on ressent véritablement des sentiments? Oui, mais je l'ai dit, ça. J'ai ressenti beaucoup de choses en voyant pour la première fois Adrien. Et vraiment, je m'y attendais pas. Qu'est-ce qui fait que t'as ressenti tout ça? Qu'est-ce qui te plaît chez lui, moralement? Parlons du moral, parce que le physique, on le voit. Adrien, sa première qualité, c'est on rigole trop avec lui. Vraiment, il a un humour de folie. Il est toujours là à faire des blagues et ça, franchement, pour moi, c'est important. Quelqu'un qui me fait rire. Et physiquement, bon, la question est peut-être un peu bête. Oui, il a un très beau corps, mais après, moi, à la base, les mecs fans de muscu, c'est pas du tout mon style. Hein. Justement, au contraire, normalement, ça me répugne un peu. Ah bon? Mais au final, c'est quand même très agréable à regarder. Ah, bah tu vois. Et du coup, j'étais contente de venir pour lui. Mais attends, il faisait du sport pendant le tournage. Comment il a fait pour conserver ce corps d'athlète? Ben ouais, il fait pas mal. Enfin, c'est sa passion. Donc, du matin au soir, dès qu'il avait un moment, il faisait ses haltères. Et voilà quoi. Mais en fait, est-ce que votre point commun il est pas ailleurs, Elsa? Tu vas me dire si je me trompe. Adrien, quand on le voit, on pourrait croire en fait qu'il n'y a qu'un physique et juste un physique. Mais moi je sais qu'Adrien c'est pas juste un physique, c'est un garçon qui fait de brillantes études, c'est un garçon très intelligent et en fait il passe pas sa vie qu'au sport. Il étudie aussi beaucoup. Oui. Et j'ai l'impression que vous avez ce point commun quoi. C'est vrai. C'est vrai. Non, c'est vrai, il est très intelligent, bien sûr. Et de toute façon, comme on dit, les personnes qui savent faire rire, c'est qu'ils sont intelligents. Donc, ouais, ça se relie. Ouais, ouais. Dans le sens où, Adrien, il fait des études, c'est quelqu'un de très studieux, qui a une très bonne éducation. Certes, il a 22 ans, il fait des conneries, il a un peu volage, mais voilà, c'est parce qu'il est jeune. Mais sinon, il a la tête sur les épaules, il sait où il va, et c'est pour ça aussi que je l'apprécie. Tu pourrais te projeter avec lui? Là, tout de suite, si je pourrais me projeter avec Adrien. Je te dis pas de me dire si vous finissez ensemble, mais de me dire si tu pourrais, à ce moment précis, dans l'état d'esprit dans lequel tu es dans les épisodes, est-ce que tu pourrais te projeter dans un futur proche avec lui? Alors, dans cet état précis, au moment des épisodes, là, on va dire que je serais dans le doute parce que il est trop jeune. Enfin, vous savez, la maturité, aux femmes, les femmes et les hommes, c'est pas du tout la même. Et je pense que, malheureusement, Adrien, je pense qu'il a encore envie de s'amuser. Pourquoi? Il est mature à quel âge, un garçon? Bah, plus, plutôt 25, je dirais. Ouais, moi je dirais 30. Hein. 30, ok. Bon, ben voilà, et du coup, dommage qu'il soit jeune et qu'il soit pas assez sérieux. Mais sinon, ouais, il a plein de qualités que j'aime et que j'ai envie d'avoir chez un homme.